Les virus de l'hépatite B et de l'hépatite D delta. La transmission de ces deux virus, B et D, elle se fait par voie parentérale, voie sanguine, surtout par cette voie. Mais il existe d'autres modes de transmission possibles, comme la transmission verticale de la mère vers l'enfant, fœtus, et par voie sexuelle. Mais la voie parentérale sanguine, c'est la plus fréquente. Le virus D a besoin de la présence du virus de l'hépatite B. Donc, c'est un virus défectif. Le virus D n'existe pas que si il existe le B. Donc, le D a besoin du B. Pour le virus B, il appartient à la famille des Hepatoviridae et c'est le seul virus à ADN enveloppé. Le virus D, il appartient à la famille des viroïdes. C'est un virus à ARN. Et comme on a dit, c'est un virus défectif. Le D a besoin du virus de l'hépatite B parce qu'il l'emprunte. Il sera l'enveloppe, c'est le virus B. On commence par l'hépatite virale B. On a dit, c'est le seul virus à ADN enveloppé. Et le virus, il contient trois antigènes. Antigène de surface, l'enveloppe, antigène de surface ou l'antigène HPS, antigène de surface, il compte l'enveloppe. L'antigène où il signe une infection. L'antigène de la capside, antigène HPC, c'est-à-dire qu'il compte la capside, il n'est jamais libre de la circulation sanguine. L'antigène HBE, présent sur l'ADN, donc il témoigne d'une réplication parce que raf l'ADN. Donc, on a les trois antigènes de surface de l'hépatite B, ou l'on a bien. L'HPS, ça l'enveloppe, ou les signes une infection, on a l'HPC, ou l'HPE, l'HPE contre l'ADN, il signe une réplication. Les modes de transmission, c'est l'hépatite B, on a la voie parentérale par transfusion, produit du sang ou la produit dérivé du sang, ou la toxicomanie, IV, les sujets qui prennent des drogues ou cas par voie intraveineuse. Quand il y a des transmissions accidentelles, comme les travailleurs, les milieux de soins aussi, pas de transmission accidentelle. Il existe des modes de transmission sexuelle possibles, par les rapports sexuels non protégés. Il existe aussi la transmission materno-fœtale lors de l'accouchement et 80% des cas, il y aura le passage vers la chronicité. Attaché le nouveau-né. Maintenant, pour l'hépatite B, l'hépatite virale B aiguë, après contamination, elle a une incubation. L'incubation, elle dure de 6 à 10, de 12 semaines. Mais après la contamination, après 15 jours, elle a une virémie. C'est un passage des virus, la circulation sanguine. Elle est après 15 jours. On a fait l'incubation et après 15 jours, ça a une virémie. Au long de la phase d'état, elle peut soit être asymptomatique, les deux tiers des cas, asymptomatique, puis soit elle guérit, soit elle passe vers une hépatite chronique. Ce mettre qu'on asymptomatique, ça sera la guérison spontanée, soit elle évolue vers une hépatite chronique. Ou là, deux tiers des cas sont symptomatiques. Après cette phase, soit une guérison, soit une complication vers une hépatite fulminante, soit une hépatite chronique. Donc, c'est normal l'évolution de l'hépatite aiguë. Lors de la phase d'état, la phase aiguë, puis l'évolution soit guérison de l'hépatite aiguë, soit l'évolution vers une hépatite chronique, une aiguë de la chronique. Pour le diagnostic, on dira le dosage. Le dosage, c'est les antigènes, c'est la surface, plus les anticorps les antigènes, c'est le virus. Pour l'antigène HPS, l'enveloppe, il signe l'infection. C'est l'antigène. Si le chronique de l'antigène HPS dépasse les 6 mois, donc c'est chronique. C'est la disparition avant les 6 mois. C'est l'antigène HPS qui signe une infection. L'anticorps anti-HPS signe une guérison. Les anticorps anti-HPS signent une guérison. Pour l'antigène HPC, les gifles à capsule, ils signent la multiplication virale. C'est la multiplication. Ou l'anticorps anti-HPC, le canicon a un anticorps HPC type IgM, ils signent une infection récente. Ou les types IgG signent une infection ancienne.
هذه pour les anticorps anti-HBC. Pour les antigènes HPE, c'est une réplication. Anticorps anti-HPE, non réplication. Donc, pour le diagnostic d'une hépatite aiguë, c'est la phase aiguë, moins de 6 mois, nous allons faire la recherche de l'antigène HPS et les anticorps IgM anti-HPC. Antigène HPS, IgF l'enveloppe, plus l'anticorps anti-HPC. Anti-HPC, l'HPC, IgF la capside. Nous allons l'anticorps anti-HPC de l'HPC ou de type IgM. Les récoltes IgM parce que ça signe une infection récente et une hépatite aiguë. Donc, l'antigène HPS ou anticorps IgM anti-HBC définit l'infection par le virus de l'hépatite B. On a fait l'infection aiguë. Pour la persistance de l'antigène HPS au-delà de 6 mois, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, si l'antigène HPS persiste, il définit le passage vers la chronicité. Donc, ça aide le porteur à la chronique. On a fait l'hépatite chronique parce qu'elle dépasse les 6 mois. Ou la chronicité pour l'adulte. Un immunocompétent, c'est un adulte qui a une immunité, c'est le passage vers la chronicité qu'on rare, 10% des cas. Pour le nourrisson, il est fréquent, 90% des cas, les nourrissons ils ont une forme chronique. Pour le sujet VIH, 20 à 40% des cas, il y a une hépatite B chronique. Donc, comme on a vu, pour l'hépatite B, elle soit aiguë, elle ne dépasse pas les 6 mois, elle est aiguë, elle chronique lorsqu'elle dépasse les 6 mois. Pour l'hépatite B, aiguë, c'est la phase récente. On recherche les antigènes HPS positifs ou les anticorps IgM anti-HBC positifs. L'HPS, ça l'enveloppe, ou l'HBC, ça la capside. Anticorps, on a l'anticorps anti à la capside. On a l'antigène, avec l'antigène de l'HPS. Donc, il y a deux signes, une infection aiguë. Puis, le passage vers la chronicité, le con a dit si les antigènes HPS de l'enveloppe persistent au-delà de 6 mois. Et au-delà de 6 mois, les anticorps IgM anti-HBC vont se négativer. C'est la négativation des anticorps IgM anti-HBC, anti-HBC, c'est anti-antigène de la capside. Les anticorps IgM, la négativation des anticorps IgM, si le passage vers la chronicité est là, on est obligé de demander, généralement on demande le dosage de l'antigène HPE, ou l'anticorps anti-HPE, au PCR. C'est la quantification de l'ADN viral B. Pourquoi? Parce que lors de la chronicité, on a une phase de réplication. C'est les virus vont être à des salons, une multiplication, la charge virale à des titres. Ou l'antigène HPE, antigène HPE ou l'antigène légif l'ADN, donc qui sera une réplication ou la charge virale dite head l'antigène HPE va dire parce que adna multiplication de l'ADN HPE contre l'ADN on dit au PCR à des semaines la quantification de l'ADN viral de l'hépatite B. Ça c'est lors de la phase de l'hépatite chronique parce que adna une réplication. Donc les méthodes de diagnostic c'est sérologique. Maintenant, pour l'hépatite chronique, regardez bien cette hépatite chronique. Qu'est-ce qu'il passe lors de l'hépatite chronique? Cette hépatite B chronique, elle évolue en trois phases. Premièrement, on a la phase réplicative ou tolérance immunitaire. À cette phase, pas de réponse immunitaire. C'est la première phase, pas de réponse immunitaire. Puis, la deuxième phase, on a la phase de séroconversion. Et là, on a une réponse immunitaire. C'est la phase d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Puis, après cette phase, deuxième phase, il y aura la troisième phase, c'est la phase non réplicative, phase d'immunisation, c'est un arrêt de la réplication. On commence par la phase réplicative ou de tolérance immunitaire. C'est la phase, pas de réponse immunitaire. C'est la phase qui concerne une multiplication virale. Pas de lésion du parenchyme. Donc, maintenant, pas de réponse immunitaire, donc pas de lésion du parenchyme. Maintenant, juste une multiplication virale. À cette phase réplicative. La durée, elle dure quelques mois à quelques années. La contagiosité, elle est extrême. Regardez, c'est la phase réplicative. Et pendant cette phase, les antigènes HPE, l'ADN viral B, sont très élevés. Parce que la phase réplicative, la charge virale, sont élevées. La phase de séroconversion, c'est la phase de réponse immunitaire à médiation cellulaire. Les lymphocytes CD4, CD8 et les natural killers sont dirigés contre les antigènes viraux. En conséquence, il y aura une nécrose hépatocytaire. La charge virale, l'ADN viral B quantifié par PCR,
va chuter, va diminuer, la charge virale, elle diminue. Et l'antigène HBE disparaît. Parce que c'est la phase de séroconversion, c'est la phase immunitaire. Il n'y a pas de multiplication virale. C'est pour ça que les marqueurs, les anticorps ou les antigènes vont diminuer. Il y aura l'apparition de l'anticorps anti-HBE. Parce que la réponse immunitaire, les lymphocytes, aussi les cellules telles, la médiation cellulaire va libérer les anticorps. Les lymphocytes BK, dans la libération des anticorps anti-HBE, dirigés contre les antigènes. Et la phase non réplicative, phase de déminutation, c'est l'arrêt de la réplication. L'arrêt de la réplication survient soit spontanément, dans 5-10% des cas, ou elle survient soit avec un traitement viral, soit spontanément, soit avec un traitement viral. Et lors de cette phase d'immunisation, phase non réplicative, il y aura la présence de l'anticorps anti-HBE où le sujet reste porteur de l'antigène HPS. Donc on a l'antigène HPS au-delà de 6 mois, c'est le signe d'une chronicité, l'antigène de l'enveloppe. Ou l'évolution après l'arrêt de la réplication sera soit une guérison, le patient c'est bon, il guérit, soit une réplication, une activation de la réplication. Ce sera une réplication virale, mais là c'est une complication, ce sera aggravation de l'état du patient. Soit la complication se fait vers la cirrhose et l'installation d'un carcinome hépatocellulaire. Donc, on a l'évolution de notre hépatite chronique. Soit elle guérit cette hépatite chronique, soit elle évolue vers une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire. Pour la clinique, pour l'hépatite aiguë B, le plus souvent elle est asymptomatique. Sinon, si elle est asymptomatique, on a une phase préectérique et une phase ectérique. Et le passage vers la chronicité, après cette phase hépatite aiguë, cette hépatite aiguë, soit elle guérit, soit elle passe vers une hépatite chronique. Mais l'évolution, soit guérison, soit l'évolution vers une hépatite chronique. Et le plus souvent, elle est asymptomatique, l'hépatite chronique B. Le diagnostic se fait devant l'augmentation des transaminases ou le dépistage. Sujet est un facteur de risque, mais les sujets les renouvellent l'hôpital et tout. Ou là, lors d'une stade de cirrhose, mais lors d'une complication, ça sera le diagnostic de cette hépatite chronique. Ou l'échographie, elle est demandée lors de l'hépatite chronique. La cirrhose. Pour la prise en charge, pour l'hépatite aiguë B, on recherche aussi qu'on a une hépatite B, on a l'hépatite B aiguë. Il faut rechercher d'autres infections sexuellement transmissibles. Dirons la sérologie de l'hépatite B, c'est le VH1 et le 2, ou le test à la recherche TPHA et VDRL à la recherche d'une infection par la syphilis. À la recherche d'une syphilis, ça c'est la recherche d'une IST. Et la surveillance clinique, à la recherche d'une encéphalopathie hépatique. On dirait aussi une surveillance, on a l'hépatite aiguë, on dirait B aiguë. On dirait aussi une surveillance du bilan hépatique et du TP. Le patient, il doit arrêter une prise d'alcool ou un médicament hépatotoxique. Il faut adapter la posologie des médicaments au métabolisme hépatique. Donc, c'est la prise en charge de l'hépatite B. Pas de traitement spécifique, c'est juste un arrêt d'alcool et tout. Maintenant, pour le traitement de l'hépatite B chronique, on doit utiliser un traitement antiviral. L'indication de traitement, c'est lorsque l'ADN VHP est supérieur à la charge qu'on 2000 ou qu'on a une élévation persistante des alates avec viremie détectable ou le score de métavir qu'on A2 et ou F2. Ça, c'est les indications du traitement antiviral. Le but de le traitement antiviral, c'est l'arrêt de la multiplication et permet de diminuer le risque de progression vers la cirrhose. Plusieurs types de traitements. On a les interférons PIGIL, on a l'interféron alpha, on dirait une injection sous-cutanée, on a les analogues nucléosidiques, on a les analogues nucléotidiques. Pour les analogues nucléotidiques, on a les lenticavir. Pour l'analogue nucléotidique, on a le tenofovir. Lorsqu'on a une cirrhose, lors d'une cirrhose, on utilise les analogues nucléosidiques et nucléotidiques. Pour la cirrhose, on utilise les interférons alpha.
Pour la vaccination contre l'hépatite B, il y a une injection d'antigène HPS. Il y a 3 injections à 0,1 et 6 mois. L'indication de l'injection, de la vaccination, elle est universelle des nourrissons. Elle est recommandée, mais non obligatoire pour les nourrissons. Pour les personnels de santé, la vaccination, elle est obligatoire. Ou l'entourage des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B, une vaccination. Les patients infectés par le VIH et le virus de l'hépatite C doivent tenir la vaccination de l'hépatite B. Les sujets polytransfusés et hémodialysés et les enfants nés de mères porteuses de l'antigène HPS. Donc, les indications de la vaccination contre l'hépatite B. On a terminé notre hépatite B. Maintenant, on passe pour l'hépatite D delta. On a dit que le virus, l'hépatite D, c'est un virus défectif. A besoin pour se multiplier du virus de l'hépatite B. Donc, le virus D plus le virus B. Le virus delta, il emprunte l'enveloppe du virus de l'hépatite B. Ce virus de l'hépatite D se rencontre chez les patients porteurs de l'antigène HPS. Mais qu'on a déjà un patient qui a une hépatite B, parce qu'on a une infection de l'hépatite D. L'infection, comment elle se fait? Elle se fait soit co-infection, de la co-infection, donc c'est une infection simultanée par les deux virus. Mais les deux virus, cela a une infection par le virus de l'hépatite D et par le virus de l'hépatite B. 90% des cas, l'évolution se fait vers une hépatite aiguë. Puis il guérit et 5%, elle évolue vers des hépatites fulminantes. Mais la complication, elle est rare. Maintenant, pour les surinfections. Pour les surinfections, c'est l'infection par le virus hépatite D chez un sujet porteur de l'antigène HPS. Hépatite B, donc un sujet déjà porteur de l'hépatite B, cela a une surinfection par le virus de l'hépatite D. Et là, dans 90% des cas, l'évolution se fait vers une hépatite chronique. Parce que le sujet a déjà une hépatite B ou Z, l'hépatite D, c'est l'aggravation des choses. Le risque de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire est élevé lorsqu'on a une infection par le virus D. Par rapport à l'infection seule par l'hépatite B. Qu'est-ce qu'on a une infection seule par l'hépatite B? Le risque est construit en après. Mais lors de l'association du virus B ou D, le risque de cirrhose et carcinome hépatocellulaire augmente. Donc, on a les deux modes de l'infection. On a les facteurs de risque de l'infection par le virus D, delta, les toxicomanes, les drogues par voie IV, les homosexuels, les sujets hémophiles, donc la transmission par voie parentérale et sexuelle. Cliniquement, elle est, dans la majorité des cas, cliniquement, elle est asymptomatique. Dans 5% des cas, l'évolution se fait vers une hépatite fulminante, c'est rare. Ou la cliniquement, elle peut être l'hépatite D, elle peut évoluer vers la cirrhose. Donc, on retrouve des signes cliniques de cirrhose. Pour le diagnostic repose sur la mise en évidence par la sérologie, l'antigène HPS, l'antigène de l'enveloppe, HPS positif, parce qu'on a appelé le virus D, a été l'enveloppe de le virus B. Donc, on recherche l'antigène HPS dans l'enveloppe. Coup positif, et aussi on recherche les anticorps anti-delta, type IgM, parce qu'on a l'infection récente. Pour le traitement c'est le même traitement que le traitement de l'hépatite B. L'hépatite D, on traite par les interférents alpha ou le PEG interférent alpha, en monothérapie pendant au moins un an. En monothérapie, le traitement ou le risque de rechute à l'arrêt du traitement et qu'on a un risque lors de l'arrêt du traitement et qu'on a un risque de rechute. Donc, on a les deux virus de l'hépatite. Aujourd'hui, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite B. Comme on a vu, ces deux virus sont des virus à transmission parentérale par voie sanguine surtout. Le virus B, c'est le seul virus à ADN enveloppé. Le virus D, c'est un virus défectif, a besoin de la présence du virus de l'hépatite B. C'est un virus défectif. Le B appartient à la famille des hépatinaviridés et le D appartient à la famille des viroïdes. Donc, le B, c'est le seul virus à ADN enveloppé. Ou le D, c'est un virus défectif. Et on a terminé notre résumé sur ces deux hépatites. L'hépatite B et l'hépatite D.